Yara vina ta kele. Alu yenna me munde be na ta kele. Anato, eh, anato, anato, mon bébé na ta kele mpe. Anato, eh, anato, oh, anato, yara vina ta kele. Sara mala malumai, lambe mala malumai, moi wala mon lefe, yara bin le vive. Alu yenna men yara vina ta kele, son tala de, ni ala son tala, son tala. Le jarabi kotila amina gera dari ala fe fanyira yo itamune mumana ave na gera dari yo na gera dari ala fe fanyira yo itamune mumana ave he matu mayo ni bale alu yenna men jarabi na takele Sherifu, ni bebe na ta kelebe. Ah ouais, Guita, tu n'es pas dans bébé. Pas dans bébé. Tu es dans quoi? Parce que c'est Kader qui est là. Hein. Tu es dans quoi? Moi, je suis dans Bande MV. Ok. Parce que ça, ça va être compétition alors. Donc, on a écouté Mousto. Ça reste Aweki Star. Il faut te préparer. Badem fe, et Allah badem fe, son ongirina. Awaginegbe, mouhamena, na luna. Et Allah ramegbe, mouhinena, na fente. Awagere, na rana, dangono. Ngaoumane, gere, na raso, gere, na ra. Unya la rigine na rana, taraya na 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 na, tarala magine na rana, unya ya na 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 to kabanako, awagere na rana dangono, gere birinto dama, gine fe gere mu dama, gere birinto dama, ame fe gere mu dama dunia be. Ndewa mauya goma, ndewa matara goma, ndewa mauya goma, ande vandima famina na kabanako, awa balwe nara na dangono. C'est bon. Ime tue lantantara, sere kunti la magamena ganamba, tankoro sina namabuya magbalwe bansa, asere kanama fefeu. C'est propre. Yala, ton artiste, c'est ton artiste. Hein. Ah, ton oui. Artiste a gagné, Mousto. On s'est non, mis non, là. Non, pas forcément. Est-ce qu'il a gagné? Oui. Ah, c'est sûr. Ton artiste a gagné. Tu as vu, ben, Mousto, t'es d'accord? Mousto, Tam, t'es d'accord, non? Ben, il n'y a pas de compétition entre lui et moi. Voilà. C'est mon frère. Ouais. C'est mon Karamogo. En tout cas, merci beaucoup d'être dans cette émission. Ouais. Avec qui, toi, tu connais déjà ta présentatrice Madame préférée. Oui. Ah oui, il retient même ton nom. Ah oui. En tout cas, c'est pas la première fois. Ok. Et elle est la prochaine présentatrice de cette émission. Mais il faut commencer avec le Messi, parce qu'elle est ma Suarez. Il faut commencer avec le Messi d'abord avant de. Parce qu'on a, un autre buteur qui est derrière. En tout cas, merci de revenir, toi, dans cette émission. Mousto, aussi revenir, hein, parce que. Ouais. Une fois, je t'avais reçu avant la sortie de ton tout premier album. Tout à fait, tout à fait. Et ce jour-là, tu es venu en courant. Ouais. Comment tu vas? Aujourd'hui, Yara est sur le plateau pour ensemble animer cette émission. D'accord. Histoire de souhaiter aussi. Bonne fête de fin d'année. De à fin tous. D'année. Oui. Et je te laisse le plateau. Oui. Dégayer, comme tu aimes le dire, dégayer ah, encore. Oui. Alors, Chérif, tu sais très bien, Mousto, quand il s'agit d'amour,
il sait vraiment nous émerveiller. Ah bon? Il est beau que... là-dedans. Mais pourtant, je ne suis pas amoureux. Ah bon? Elle est en train de nous regarder. Elles sont en train de nous regarder. Pourtant, je ne suis pas amoureux. Moi. Ah bon, mais sinon, tu es très, très inspiré. J'aime bien le son. Merci. Okay. J'aime bien. Merci. Et celui de Aweki, c'est plein de messages, ce qu'il dit là. Aweki? Waouh! Ça, c'est ta présentatrice préférée, ça. Tu vois, c'est plein de messages. Ceux qui chantent là, c'est l'effet de société. C'est comme ça, ça se passe dans le quartier. Je t'ai dit. Ah oui. Tu retrouves souvent avec ta joujou. Ah oui, c'est clair, ma joujou. Elle peut témoigner, oui. Ok, d'accord. Et Mousto, aujourd'hui, c'est peut-être qu'on n'a pas assez de temps, mais on va juste parler un peu de tes parcours parce que récemment, tu étais très, très fréquent entre Conakry, Paris, Bruxelles. Jusqu'à aller voir Maï Baldé, j'ai vu des images. Ouais, ouais. C'était pas mal à la tournée. Je suis revenu il y a à peu près 2 semaines. Ok. Je suis revenu encore pour la tournée intérieure du pays. Ok. Et après repartir encore continuer la prochaine tournée. Ok. Et aujourd'hui, Mousto est dans une structure. Aujourd'hui, ouais, j'ai ma propre structure avec moi. Ok. Non seulement, mais aussi j'évolue dans une maison de production. Ok. Banco Agency. À Banco Agency, ok, ouais. D'accord. Et tu es tourné à l'international, la première fois tu l'as eu à quelle occasion? Parce que beaucoup ont posé des questions avant la sortie de ton album, ils se sont dit, mais attends, est-ce que Mousto savait qu'il allait se développer rapidement comme ça? comme on le dit souvent... Parce que moi, personnellement, j'étais un peu étonné de l'ascension rapide, là. Ouais, pas bon. En réalité, c'était rapide quand même. Ouais. Mais bon, comme on le dit souvent, que seul le travail paye. Ouais. Moi, après la sortie de mon tout premier album, titré Camara, okay. C'est seulement le titre qui était connu. Ouais, c'est le titre qui m'a vendu en un mot, oui, Camara, oui. Parce que ça chantait partout, Camara. Okay. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Et voilà. Ouais, c'est des mandements, ça, je suis d'accord. Voilà. L'ami, il faut t'apprêter, hein. Comment? Rébaptiser Camara. Voilà, et c'est après ça que j'ai gagné des tournées. Moi, c'est d'abord des tournées européennes que si j'allais faire. Et à mon retour, j'ai gagné maintenant des tournées intérieures. D'accord. Je veux dire, qui t'a aidé à voyager pour la première fois? Mon manager avec une dame. Ah, lui, c'est un manager. J'ai chanté, ouais. Mon manager, Kelfala Nabi. Ok, d'accord. Kelfala Nabi, c'est mon manager. C'était grâce à lui. Ouais, il est entre les vols. J'ai effectué le premier voyage en Europe. Ok. Et j'ai sillonné dans pas mal pays d'Europe. Hein. Ouais. Quand tu allais, pareil, quelqu'un m'a dit que quand tu allais pour la première fois à Paris, tu as vu gratte-ciel, tu as fait comme ça jusqu'à vouloir tomber. Est-ce que c'est vrai? J'ai fait mon premier voyage, j'ai fait 6 mois à Paris, mais c'est au 5e mois, j'ai eu l'occasion d'aller visiter la Tour Eiffel. Ok. Ouais. C'était... Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Okay. Non, parce que j'étais parti pour travailler. Et puis beaucoup pensaient que Mousto ne serait jamais en Guinée. Et Il est reparti. Ça a été un miracle quand même à l'aéroport. Hein. Personne ne pensait. Bon, mais bon, c'est comme ça la vie. Hein. Tu commences à grimper, on raconte et on accepte, on assume. C'est ça. C'est ça. Ton artiste est là, hein, Waki. Parce que moi, je ne vais pas l'interroger, tu es sur le plateau. Non. D'abord, avant d'aller avec Aweki, on va poser une question à Mousto. Mousto, c'est quoi ton premier son? Celui-là que tu as conçu pour la première fois. Wow, ça c'est intéressant. Ouais. Mais faut pas passer à côté. Hein. Mon premier son, je me rappelle bien, c'était Yenfanti. Mm-hmm. Et c'est un titre qui m'a beaucoup aidé aussi. Mm-hmm. Parce que quand j'ai chanté, c'est à Nongo, j'avais enregistré. Okay. Mais c'était limité. Mm-hmm. Non seulement c'était ma première inspiration, mais aussi je ne connaissais pas le milieu. Mm-hmm. Ta vraie composition. Moi, non seulement je suis compositeur, mais aussi je suis chanteur. Voilà. Ouais. C'est moi qui compose, c'est moi qui chante. Kader pour le son là, parce que moi je ne connais pas le son là. Et ils sont aussi nombreux parmi les téléspectateurs. Ouais, ces sons là. On va fatiguer Kader, ça ne dérange pas. Ça on le fatigue. Ça date. Yamfante alama bedunia, ilante alama bedunia. Enfanté à la mave du nuya, ma amile nuni miserara du nuya. Du nuya, amile nuni miserara du nuya. A la ramondi mali. A la ramondi mali. A la ramondi mali, mais amile nuni miserara.
C'est ça, non? Tu veux poursuivre. Hein. J'avais écouté ce son, mais je ne savais pas qu'il voilà, était de voilà, toi. C'était ma première inspiration. C'était ma première inspiration. Bravo. J'aime bien le son parce que, tu vois, quand il s'agit de conseils, moi, j'aime bien. Tu le sais, non? Mais tu ne m'as jamais conseillé. Ah bon? Non. Alors, Aweki, toi, tu as des projets, non? Bien sûr. Quels sont tes projets? Je connais un. Tu veux être maire à la commune de Matam? Ah bon? Ça, c'est Ousmi Fofana. Souvent, moi, ce qui me concerne présentement, c'est je prépare un concert pour le 31 décembre. Okay. Mm-hmm. En plus, je prépare un album. Un album à bientôt. Album qui a duré. Qui a beaucoup duré dans le ghetto. Ouais. Mais tu sais, quand le ghetto mal se défoule, alors c'est ça quoi. Ça serait autre chose. Donc je prépare un concert pour le 31 décembre. Le 31 décembre, oui, à Fofana. Yeah, tout à fait. Okay. Ouais. Moi-même, Oui, vas-y. C'est la question, pourquoi nous allons partir à Fougou-Fougou le 31? Pourquoi nous allons choisir le 31 aller à Fougou-Fougou ce jour-là, pas aller ailleurs? Pourquoi ce jour-là? C'est juste parce que c'est un concert d'information. Ok, vous allez nous informer ce jour. C'est pour informer mes fans, pour informer aussi à ceux qui ne m'ont jamais découvert, pour informer toutes mes fans, c'est-à-dire pour les informer que je prépare un album. C'est un concert d'information. Peut-être sa question, tu n'as pas bien compris. Elle voulait dire... Pourquoi tu allais à Fougou-Fougou alors qu'il y a Palais, il y a Belvédère? Chérif, c'est ça. Au fait, c'est ça. Tu sais, le 31 décembre, c'est quand même une grande fête. Bon, alors, j'aurais préféré aller ailleurs, faire autre chose. Je profite de ta question. Pourquoi lui nous invite ce jour-là? Maintenant, il faudrait qu'à cause de quelque chose qu'on aille voir le spectacle. Alors moi, je profite de ta question pour lui demander pourquoi tu n'as pas choisi Palais ou Belvédère. Pourquoi Fougou-Fougou? Ou bien parce que tu connais les coins et les recoins de cet endroit-là. Malgré que je suis ancien dans la musique, mais tu es ancien. Bien sûr. Mais bon, je suis débutant, donc. Ok, d'accord. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. C'est un simple concert d'information pour informer les gens qu'Aweki Star aussi se prépare pour son album. Okay. Mais quel est ton vrai nom? Mon nom, c'est Damba Abdoulaye. Ablaye Damba. Dit Aweki Star. Ok. Et qui t'a donné ce nom-là? Non, mais. Parce qu'Aweki, c'est Soussou. Aweki Star. C'est son nom fétiche. Bon, on m'a surnommé ça à cause de la musique et puis mon départ. Ok. Au moment que je sentais dans les différents sabbats. Il y a une meilleure dans les différents sabbats et quartiers. Oui, okay. Vous voyez. Donc, à la Mayembe, c'est lui qui chantait Yembe. Donc, comme moi, j'aime créer ma propre œuvre. Donc, vous voyez, quand dans le Fana, Yembea, je dis Aweki, ouais. Bon, le lendemain, maintenant, ceux qui ne connaissent pas mon nom, ils veulent m'appeler. Okay. Bon, ils ne connaissent pas mon nom. Ils me disent, ah, c'est lui qui chantait hier, Aweki. Aweki, c'est comme ça le nom est venu. D'accord. C'est ça. Ça fait combien de temps? Ah, ça fait presque 19 à 20 ans comme ça. Ça, c'est en quelle année, ça? Moi, tu fais le collège, hein? Bien sûr. C'est plus que c'était dans les années 99, je pense bien. Moustou, on faisait quoi? Collège ou école primaire? École primaire, je pense. École primaire. Et puis Moustou, c'est un vrai amoureux, hein? Je l'ai aperçu quatre fois, il m'en s'élève. Non! C'est pas évident avec le climat. Alors, chérif, si tu me permets. Oui, vas-y. Tu sais, Moustou, il fait la musique mandingue, non? Oui. On va demander à Moustou ce soir de faire la musique urbaine. Et, surtout qu'il a bien rappé en R&B. Effectivement, il va improviser. On va voir son talent. Parce que tout de suite, il est en train de rapper avec Aweki. Featuring là. J'ai déjà Rastafor. Ouais. C'est là, c'est Big Up Yourself. Bon, on va la donner Raga vite fait. Ok. Na mama wa 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 bebe
yo iroli na mamboye I want to te manto goroma awe afera bebe nyamuno mansade to te manto goroma bebe afera yo nyamuno mansade kwebere yo namaga humbe aswayi aswayi barina be nanara aswayi aswayi sherifu be nanara. Bien, c'est propre. Mais alors, tu notes? Ça ne fera pas partie de l'album. Bon, ben, je peux le récupérer. Intéressant. Oui, poursuis. Tu peux noter, hein? Oui, mais c'est déjà noté. Je vais lui donner. Bravo. Non, hein? Manaïra. Si c'est noté, si c'est noté. Non, non, sous Manaïra. En tout cas, moi, j'aime bien. Et pour revenir, il est amoureux. Il te c'est confirmé, bébé, non? Asoaï. C'est confirmé, non? Voilà. Il est amoureux. Parce que moi, quand il chantait là, je voyais ta joujou en train de ruer sa tête quelque part. Voilà, ça. Parce qu'elle adore aussi. Alors, ma joujou a aimé ce son. Ouais, elle adore aussi quand on parle de bébé. Amika, ce son, c'était pour toi, non? C'était pour Amika, joujou, le son, là, le son, c'était... Bien, moi aussi, hein. Amika, non, ce son, on va dédier directement à Amika, ce son-là. Oui. Amika, ça, c'est ton son. Ça, c'est ton cadeau de fin d'année. T'as compris, non? Avec qui? Attends, mais tu laisses ton artiste calme là. Non, il n'est pas calme. Donc, oui. Le 31 décembre, à Fougoufougou, à partir de quelle heure? Ça part de 18h. Ok. Ouais. Et Mousto, je sais que le temps est parti relativement court. Tu as un message? Parce que janvier s'annonce avec beaucoup de projets que tu entreprends déjà. J'ai pas mal de messages. Ok. Moi, j'invite tous les fans, j'invite tous les publics d'aller. Okay. Voir encore ce qui va se passer au palais le 7 avril, parce que ça serait la sortie de mon deuxième album. On aura la chance de te recevoir pour parler pas entièrement souci, sur cet album. Je me prépare encore pour une quatrième tournée, parce que je suis allé trois fois. Okay. En Europe, ça s'arrête la quatrième. Et on rappelle que tu as fait Dubreka, c'est ça? Oui, j'ai fait l'Institut supérieur des arts de Guinée. Okay. Et tu as fait quoi là-bas? D'abord, parce que moi, mon cas, c'est un peu, voilà, moi, quand j'ai eu le bac... On va laisser, parce que la gendarmerie nous suit, c'est bon. Ah là, d'accord, c'est bon, j'ai fait la musicologie, arrivé là-bas, je me suis inscrit en musicologie et spécialisé en guitare. Ok, d'accord. Ouais. Ça, c'est important. Hein. C'est important, ton artiste, c'est bien. C'est devenir aussi ton artiste. Mon artiste. Intéressant. Donc, un message, parce que nous sommes... Le 31, on sera où? Le 31, moi, j'ai un calendrier trop chargé. Parce que nous, déjà, on sera à Fougoufougou, le 31. Le 31, moi, j'ai Il est mon artiste invité. Okay. Ouais. Parce que je sais qu'après, là-bas, d'autres vont se retrouver ailleurs. Tout à fait. Dans... Mais 31. Il y a un souci, il est plus européen que guinéen. Hein? Non, mais le 31, il sera là. Non, le 31, je serai là avec mon guitariste. Ouais, c'est mon guitariste aussi. Je serai sur Boulevard. Boulevard, j'ai un concert dont M. Bobody nous a offert. Le chef de la ville. Voilà. Et ça aussi, c'est le 31? Le 31, le 31 oui. Au Boulevard. Et après là-bas, mais normalement, je suis KPC. Il y a Sili qui doit venir et je suis l'artiste invité. Okay, je fais partie parmi les artistes. Pour le stade du 28 septembre? Oui, okay, le 31. D'accord. Donc un calendrier trop chargé. Ouais. C'est bien. Intéressant. Mais heureusement, comme déjà, tu fais attention à ton calendrier. Avec qui? Tu es là? Je suis là. Sérieux? Tout à fait. Je suis là. Message pour le 31 décembre. Je sais que toi, tu seras déjà là-bas. J'invite tout le monde. J'invite toutes mes fans. Parce que c'est un concert sous-nommé mouvement d'Etimassinara et mouvement Labé Labé. Mm-hmm. Mouvement Labé Labé, 31 robes seraient barrées. Donc, donc tu vas nous faire le son là pour clore. Il n'y a pas de problème. Yara. Vas-y. D'Etimassinara, d'Etimassinara, et d'Etimassinara, Bangui-yo, d'Etimassinara. Neti masinara, aneti masinara, bangi mure. Awasina ve, nanam foroyense. Imatoya sina ve, nanam famito unzama. Oya la sina ve, era kalison na wali memudi sotoma. Awamba ya sina ve nara, sina ve namasusade. Et ton artiste est grimpé. Avec qui tu es au courant de tout ça? Waouh, intéressant. Je regarde beaucoup de choses, donc c'est juste qu'à le 31. Tu es marié? Non, ça vient. Ça va venir. J'allais demander s'il était polygame. Ça, c'est spécial pour les mariés. Moi, je ne suis pas marié. Les deux là ne sont pas mariés. Ah oui? Mais nous, toi et moi, nous, on est mariés. Kader. Ouais, Kader est marié. En tout cas, Yara. Ouais. D'abord, je vais poser une question à Mousto. Il chante beau, amour et tout.
aussi, quelle est ta source d'inspiration? Moi, ma source d'inspiration, comme on le dit, que l'artiste, c'est à travers la nature. L'artiste s'inspire. Et moi, c'est à travers la nature que je m'inspire. Et Aweki et toi? Et t'aimes que moi. Ah, déjà, moi, je suis Makiza. Ce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est ce qu'on raconte. C'est ce que vous chantez. Voilà. Intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'être dans cette émission. Ça fait plaisir. Pour la deuxième fois, tous les deux. Et toi, je vais te recevoir vers janvier, comme ça, pour parler de la sortie de ton deuxième album. Bien, bien. Et tu as un souhait pour fin d'année, meilleurs vœux à ta fiancée qui doit rentrer bientôt, à ta maman. Ben oui. Ben, je donne la capella pour la fin d'année. Ben oui, si tu veux. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Happy birthday. Fête no lia monia, do messe omane. Fête no lia moni, chérifou, ali foreze omane. Trentie no lia, yora le mon plaque, mon se omane. Bala bere mouna, weki. En tout cas. Parce que ma barde n'y a pas de ya sarebe. Et nous n'en avons fait te dire. N'a nous talon ya saraweki. Et nous n'en avons fait te remplaquer. Guérez-moi. Merci en tout cas d'être dans cette émission et à très bientôt. On n'est pas né, on n'est pas né. Et puis je suis mal à l'aise, moi mon fang. Awan mara pole boy mara fang. Ma kono awan tambara ko yeba ire kere. Wanna ma. Et nanga ngabu. Awan bisu ngai. D'accord. Non, je suis venu pour saluer notre frère. Non, grand frère. Laissez-lui la carte chez la. Tu es notre frère. Voilà. On est voisin. Mon amour est rebou. Ah ben mon fang ma. Comment m'a dit? J'arrive. Awan fang ma. Tabara kara. Kere. Hey, Iwan. Non, hey. C'est quoi ça encore? Il voit la famille Maya. Merci beaucoup. Ouais, il est tremblé. Il est marché. Tu commences à faire? Tu as vu?